Gros bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente encore aujourd'hui une ferme de 4 hectares avec un puits, bassin et puis des orangers, clémentines, grenades, voilà, qui est là, donc, les grenades sont là, des oliviers, donc en fait les grenadines, il y a environ 250 arbres de grenadines, il y a les oliviers aussi, et puis les orangers. Tout ce que vous voyez là, c'est des orangers. Par contre, ce n'est pas une petite ferme. Donc, je vous ai expliqué. La ferme est donc sur la route gaudronnée. Donc, accessible, il n'y a pas de piste, il n'est pas perdu. Donc, il est situé à Issen. Ah, c'est le calme total, c'est le yoga. Venir ici quand t'as mal à la tête. Pas besoin de doliprane. Hein. Franchement, c'est. On n'entend que des oiseaux. Franchement, c'est top. Alors, tout ça, c'est des orangers. Tout ça. Et là. Excuse-moi. Alors là. Il y a des lignes en fait, des oliviers qui viennent planter. Après, il y a des grenades dans les grandes lignes. Et là, sur la droite, donc cette ligne, il y a le. Ils ont remis les oliviers. Alors, si vous avez des questions, laissez-moi marquez-les-moi sur par commentaire. Ou sinon, sur WhatsApp, sur un numéro que je vais vous laisser après. Donc, notez vos questions. Et une fois que vous avez un numéro à la fin de la vidéo, donc là, me les envoyez par WhatsApp. Et je vous répondrai. هذا ليمون ليم هذاك ليم شوف الليمونات الصغيرين هي الو لا سي د سي كليمونتين هنا كاين الماندارين ياك كليمونتين نور هذا طردي فاش يقولوا طردي كليمونتين نور لازم يقولوا طردي هذاك معروف عند الناس عامه الناس طردي هو هذا طردي دونك ذاك العادي تيدور دابا في السوق هذا كي مره كتولد الشجره مره كت لا مره كيكون مره كتمنك الشجره هي C'est ce qu'on appelle en fait le clémentine nord. En fait, il est en nord ou est-ce qu'il est en tardif. Tardif. En fait, tardif. Ça peut parce qu'en fait, ça récolte une fois oui, une fois non. En fait. Donc, il est un peu décalé. C'est pour ça en fait, ils appellent ça tardif. C'est ce qu'on trouve un peu partout dans les marchés. Nabil Sanguine. Donc ça c'est du Nabil Sanguine. Donc là, il a que 3 ans. Donc هذا هو تلقى دابا في السواق اللي كاين حاليا في السوق هذا هو اللي كيكون غالي في السوق بعض الخطرات فاش كيكون كيوجد كيكون غالي في السوق هذا شويه داكوغ دونك فيت سي دي كليمونتين مزيان بعض الخطرات كتجي الولده ديالو شويه ضعيفه Masha'Allah. Et c'est partout, en fait, partout, c'est comme ça. Toutes les arbres. Regardez.
C'est de la bonne qualité en plus. On voit là, c'est partout. Partout en fait. Regardez. Voilà, donc là, tout ça, c'est le côté où il y a les clémentines. Tout ça. Jusqu'au bout. Après, on va prendre la suite. Pour vous montrer le reste. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez planter trois habitations. Là, pur dedans. Entre le. Voilà. Dans les trois coins de la propriété, c'est mettre trois habitations. Alors là, c'est Valassian. La Maroclat. Alors, ça me paraît pour moi, c'est du chinois, mais. Mais voilà, je parle à un professionnel qui sait qu'on est, donc je transmets les informations pour ceux qui sont dans le domaine, qui comprennent un peu mieux que moi. Voilà, parce que l'agriculture, c'est pas trop mon. Donc, on est d'abord qu'un armagnac. Alors, tout ça, c'est des grenades. Il y a juste sur les bords de l'allée, là, où il y a quelques orangers. Et sur le côté gauche, tout le côté gauche, là, c'est des orangers. دابا هاد الوقيته الرمان دابا كينعس كيبدا يسوس النوار كيبدا يسوس الورد كيبدا كيبان لك بحال يبس يولي بحال كتقول شمال غير كتوصل ديك شهر 3 شهر 4 كيبدا ينور كيبدا عاوتاني كيبدا يخلف ويبدا يعمر ويبدا يخضر ويبدا يجيب النوار ديالو ويجيب الحب تاعو كل شيء ابتداء من شهر 3 شكون بقى جيتو دابا هاد الوقيته ديالو هو كيبدا يخلف كيبدا يسوس الورد يسوس كل شيء إلا سي لي فان. Donc le système du goutte à goutte est vraiment en place. C'est de l'arrosage automatique. Donc si vous avez des questions, notez-les. Comme ça, je peux vous donner toutes les réponses en fonction de vos questions. Il y a 3 docteurs pile ou 3 docteurs 11. Donc il y a 35 000 mètres. Donc il y a 3 hectares et demi. 3 hectares et demi en bord de la route Gourdonnée, accessible facilement, titré. Alors, pour faire des habitations, donc il n'y a pas de souci. Ouais, en fait là, alors là je vais zoomer, je vais montrer juste le toit. Voilà, donc là c'est une grande propriété. Alors, ça c'est une grande propriété pareil. Donc il est en train de construire 2 habitations là-dedans, donc celle que vous voyez qui est peinte en rouge Marrakech, et puis une grille en plein pied juste à côté. Voilà, je vais pas y aller chez les voisins pour filmer, mais vous pouvez voir ça. Une fois que vous êtes là pour la visite, parce qu'on peut passer de l'autre côté pour voir. Alors tout ça, c'est des orangers. Ouais. Alors le propriétaire a dit qu'il va les enlever, il va les remplacer par les oliviers et quelques grenades aussi. Grenadiers ou grenades. Alors le puits ici fonctionne au panneau solaire, qu'ils ont ces deux
deux triangles de panneaux solaires qu'ils ont mis en place. Je vous en mets pour vous montrer. Donc ils sont là. Les deux gros panneaux là, voilà, qui sont là, c'est des panneaux solaires. Voilà, il y a 72 panneaux solaires, plus alors ça c'est la réserve pour l'eau potable, c'est-à-dire l'eau qu'on peut boire, voilà, utiliser pour... voilà, et donc là il y a deux sortes de l'eau, donc l'eau de Puy et l'eau de la, voilà, de la ville, de l'association. Et là c'est la réserve, c'est le bassin, pardon. Je vais vous montrer l'eau là, donc le moteur. En fait, ça, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est ce qui fonctionnait avant sur le gasoil. Quand il y a mazout, l'essence. Dès le gaz. Alors, c'était au gaz avant. Maintenant, c'est annulé. Et tout fonctionne maintenant à l'électricité. Et ça marche avec les panneaux solaires. Le bassin il est vraiment bien plein. Voilà. Et là, c'est le local technique. Donc en fait c'est au panneau solaire, au cas où il pleut, donc il n'y a pas d'électricité. Donc il y a un tableau juste à côté, avec cette vanne là, on arrive à passer de solaire à l'électricité directement. Donc c'est-à-dire il suffit de couper là à côté et mettre l'autre là en route. Et ça fonctionne sans problème. Et là, il y a une petite habitation. Voilà, privée de ces gens-là. Un petit truc pour passer des vacances. Voilà, pour venir. Pour les ouvriers aussi, ils en profitent quand c'est le moment de la récolte. Et aussi, alors, il y a un endroit pour. Alors, je ne sais pas comment dire ça en français. Bon, bah, tu vois, quand je ne connais pas, je ne connais pas. Dire masra. Donc, en fait, c'est là où ils mettent les fruits là, de huile d'olive pour que ça passe en huile d'olive. Donc, les machines là et tout, mais traditionnel. Alors, je ne sais pas. Dites-moi le mot, comme ça, je vais le retenir pour la prochaine fois. Voilà. Voilà. Après, je vais vous montrer maintenant l'extérieur. Voilà, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, donc là je suis donc c'est la route Gaudron, est accessible facilement. Voilà, c'est pour vous montrer en fait la distance, et etc. Donc j'espère que je vous ai montré tout ce qui, voilà, tout ce qui, voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette propriété. Si vous avez besoin de d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro suivant 00212 6 78 54 70 86. Je répète 00212 6 78 54 70 96. Sefar Sefar Metein Otnash Sta Tminia Sebein Arbaoch Msin Sebein Sta
Utsin. Donc, la propriété, elle est vendue dans l'État. C'est quelqu'un qui va faire de un peu de l'agriculture. Donc, voilà, c'est. Il va juste montrer le système et tout ça et prendre à la suite. Vous pouvez rajouter une habitation facilement. Cette propriété, vous pouvez rajouter une habitation ou deux, trois, en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez faire trois perdus, c'est-à-dire trois dans chaque coin de la propriété. En fait, il y a pas mal de possibilités. Pour faire une propriété avec un accès directement la privée et laisser tout le reste pour l'agriculture, pour les ouvriers, etc. Donc en fait la propriété il a deux façades, il a cette façade là, il a une deuxième façade sur le côté, c'est à dire même si vous faites dans le coin vraiment là-bas au bout, au fond, vous faites donc une propriété pour avoir un accès directement à l'extérieur sans traverser toute la propriété. Donc ça c'est quand même un avantage, c'est intéressant. Donc si vous avez besoin d'autres informations, vous avez mon numéro WhatsApp, il est fonctionnel. Je préfère avoir des questions, etc. sur WhatsApp. Ou sinon, vous m'appelez directement. Si je n'arrive pas à vous répondre de suite parce que je suis déjà en appel, etc. Donc, laissez-moi votre message par WhatsApp et je vous répondrai dès que possible. Et bien sûr, au plus vite. Merci et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.